Viens voir à la recenserie. Il y a des objets étonnants. Tous les légumes au clair de lune ne sont pas vraiment périmés. Hey, on les récupère, on les découpe et on en fait de bonnes soupes. Oh, mais quelle tête avez-vous là, les amis, là, les poireaux, carottes, que vais-je faire de vous? Vous êtes bon pour le compost. Non, pas le compost, ça, pas non ça. Martine, toi qui es super cuisinière. Fais-nous vivre encore. Mais que faire de vous? Donc une soupe, un gratin? Ouais, super. C'est bien vu, ça. Bon, donc, on va se retrouver au printemps de la récup, le 31 mars. Et puis, je vous y amènerai aussi, vous, les quignons de pain secs. Je vous transforme en panure et puis en gâteau. Oh, super! Et bonne idée! Bravo, excellent. Martine! Hep, hep! Toi, là, viens me voir. Regarde, c'est moi la verseuse. J'irai bien dans ta cafetière. Tu me prends par la hanse? Oh là là, c'est vraiment mignon. Et en plus, t'es super sympa. Mais dommage, je bois pas de café. Mais par contre, j'aime bien le jardinage. Avec une, deux, trois fleurs, un peu de terre, et un peu de billes d'argile, je suis sûr que tu vas être une super star, comme ta copine ici. Ouh là là, oui, oui. Sous prétexte que je suis en aluminium, monsieur ne veut plus m'utiliser, soi-disant que c'est mauvais pour la santé. Bah moi, tout le monde passe devant moi en disant que je suis super jolie, mais plus personne ne me prend en main ni ne me répare. Bah moi, mes deux petits cocos, j'ai un super plan pour vous. Une idée super lumineuse et ça s'appelle l'upcycling. Oh là là, j'ai entendu les couturières. Je me rêve en robe de mariée. Partir à la mairie. Oh. Ah, te voilà, mon Jurido. Ah, mais si tu viens le 31 mars, tu pourras devenir une belle robe de mariée. Eh oh! Eh oh! Tu as vu, hein? Je suis tout démodé. Plus personne ne me regarde. Moi, je me croyais tout pimpant, et puis au moins encore utile. Vieux, moche, bancal, peut-être. Mais relooké, qu'est-ce que tu serais beau. Viens le 31, on te mettra un peu de rose aux joues. Et nous, Hélène, tu nous as oubliés ou quoi? Venez avec moi, les amis, il y a encore une deuxième vie pour vous par ici, dans la boîte à livres.